Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle visio, cette fois consacrée au fait de faire du bénévolat ou du volontariat pendant son PVT. Donc comme d'habitude, je vais vous laisser vous connecter gentiment le temps que tout le monde arrive et puis après je vais pouvoir commencer. Alors si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, n'hésitez pas à me le dire. Le temps d'introduire, je voudrais me présenter hein, pour ceux qui ne m'ont pas déjà vu plusieurs fois ces dernières semaines. Donc je m'appelle Julie Meunier, je suis cofondatrice de PVTIS.net. Et donc moi j'ai fait un PVT au Canada et un PVT en Australie. Et PVTIS.net, ça fait 15 ans qu'on existe. On est un site internet qui est totalement gratuit et qui donne des informations sur le PVT avant le départ, pendant le PVT et même pour le retour principalement en France, mais également en Belgique puisqu'on renseigne également des Belges. Ok, super, merci, merci Inès notamment de m'avoir laissé un message. Si vous m'entendez bien, je vais pouvoir commencer. Donc, pour terminer avec PVTIS.net, sachez qu'on a une page Facebook par pays. Vous avez la page PVTIS.net sur laquelle vous êtes actuellement, mais vous avez aussi une page PVTIS.net Canada, PVTIS.net Nouvelle-Zélande, PVTIS.net Argentine, selon le pays qui vous intéresse. Je vous dis ça précisément maintenant, puisque dès qu'on a une actualité liée au Covid-19, on la partage sur la page en question. Donc, ça peut vous permettre de rater aucune information. Également, une fois par semaine, sur notre compte Instagram PVTiste avec un S à la fin, on fait un point Covid, généralement le jeudi, pour vous tenir au courant des actualités de la semaine. Il y a des semaines très calmes et il y a des semaines où il y a beaucoup d'actualités. Donc, ça vous évite d'aller chercher toutes les informations tout le temps en suivant ce point Covid sur Instagram au moment où vous êtes sûr d'être au courant des dernières informations. Alors, ce soir, on va parler de bénévolat et de volontariat pendant le PVT. Je vais vous présenter quelques petites choses. Ça ne va pas forcément être la visio la plus longue de celle qu'on a pu faire récemment, parce que le sujet n'a pas besoin que je m'étende pendant 3 heures dessus. Et à la fin, vous pourrez me poser vos questions. Il y a Anne-Lise, ma collègue, qui va les répertorier pendant qu'on fait cette présentation. Et je pourrai y répondre. On répondra en priorité et peut-être même uniquement aux questions qui ont un lien avec la thématique de ce soir. Si vous avez des questions qui sont liées au Covid, etc., vous pouvez les laisser directement sur PVTIS.net ou en réponse peut-être de publications qu'on fait à ce sujet-là, parce que ce soir, on va rester focalisé sur le thème du soir. Alors pour commencer, je voudrais définir les mots bénévolat et volontariat, puisque ce n'est pas tout à fait la même chose. À peu de choses près, oui, mais quand même, il y a des nuances. Le bénévolat, c'est donner de son temps gratuitement, sans avoir rien en retour, à part bien sûr la satisfaction d'aider votre prochain, voilà, sans attendre d'être rémunéré particulièrement. Alors que volontariat, vous allez donner de votre temps, tout comme le bénévolat, mais en échange, vous êtes logé et nourri. Donc dans les deux cas, vous ne touchez pas d'argent, mais dans le cas du volontariat, vous avez une compensation qui peut être utile, et ça, on va le voir par la suite de cette présentation, notamment sur quel est l'intérêt de faire du volontariat pendant un PVT. Donc maintenant que vous savez ça, je précise que pendant un PVT, on a tout à fait le droit de faire du bénévolat ou du volontariat. Il n'y a aucune obligation de ne travailler que de façon rémunérée ou de ne faire que voyager. Si vous voulez faire du bénévolat et du volontariat et peut-être même ne faire que ça pendant votre PVT, vous avez tout à fait le droit de le faire. En PVT, on n'a pas d'obligation forcément de travailler. Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. De combien de temps on dispose pour trouver du travail en PVT? Il n'y a pas de maximum de temps pour travailler de façon rémunérée. On a d'ailleurs eu un de nos modérateurs, Cédric, qui lui a fait un PVT en Nouvelle-Zélande très axé sur le stop pour le transport et le volontariat pour tout ce qui est emploi et rencontres. Et voilà, il a décidé de vivre son PVT comme ça, donc c'est tout à fait une option pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du bénévolat ou du volontariat, si vous voulez en faire par exemple dans un pays de l'Union européenne, bien souvent ça fait partie des pays dans lesquels on peut aller travailler sans visa de travail. Donc vous pouvez partir tranquillement faire du volontariat ou du bénévolat en Allemagne, en Italie ou encore en Irlande par exemple. Par contre, si vous allez dans des pays plus lointains, les pays du PVT, c'est pas garanti qu'en étant là-bas en tant que visiteur, en tant que touriste, vous ayez le droit de faire du bénévolat ou du volontariat, parce que chaque pays décide, détermine si le bénévolat et le volontariat c'est considéré comme du travail. Par exemple, si vous allez en Nouvelle-Zélande en tant que touriste et que vous travaillez en tant que bénévole ou en tant que volontaire, même si vous n'êtes pas rémunéré, c'est considéré comme du travail et donc c'est illégal.
Pour l'Australie, j'ai noté les petites précisions. Je ne vais pas faire tous les pays du PVT, j'ai fait les trois principaux. Pour l'Australie, ça ne doit simplement pas être le but principal de votre séjour. Et le travail que vous allez faire en tant que bénévole ou volontaire, ça ne doit pas être un, comment dire, ça doit pas être des tâches qui normalement auraient nécessité l'embauche d'un local. Ça doit être vraiment un à côté. Voilà, faut pas que ce soit considéré comme de la concurrence sur le marché du travail avec des locaux qui auraient pu être rémunérés. Pour le Canada, c'est un petit peu plus précis. Vous avez le droit de faire du bénévolat ou du volontariat en tant que touriste, mais vraiment à des exceptions quand même. On va vous mettre un lien. On va vous mettre plusieurs liens même que j'ai notés. Pour le Canada, c'est un article sur notre site qui vous explique tous les cas de figure. Mais en résumé, au Canada, il faut que ce soit quelque chose qui ne fasse pas là aussi de concurrence déloyale avec les Canadiens. Il ne faut pas qu'un Canadien ait pu être embauché pour ce poste et que vous, en fait, vous êtes devenu de la concurrence gratuite. C'est ça que le Canada veut éviter. Donc, par définition, en tant que touriste au Canada, votre bénévolat ou volontariat doit être court, plutôt à temps partiel. Ce que j'ai noté d'autre, c'est que ça ne doit pas être l'objectif principal de votre séjour. Et l'exemple qui est donné, si jamais vous faites un volontariat dans une ferme, il faut que ce soit une ferme familiale. C'est-à-dire que ça va être plutôt une famille qui produit par exemple des fruits et des légumes, principalement pour subvenir à ses besoins, éventuellement un tout petit peu pour vendre, mais il ne faut pas que ce soit une grosse ferme qui commercialise ses pommes et ses courgettes par exemple. Il ne faut pas que ce soit un vrai business. Donc ça, c'est hors PVT. Je le précise pour ceux qui parmi vous n'ont pas eu un PVT, notamment je pense au Canada puisque c'est au tirage au sort, sachez qu'on ne peut pas simplement partir dans n'importe quel pays pour être bénévole. Même dans une association, etc., ou volontaire. C'est pas garanti que ce soit autorisé de le faire. Autre précision pour les trois pays anglophones, puisque c'est souvent là que ça peut jouer. En Nouvelle-Zélande, quand on est en PVT, si on travaille au moins 3 mois dans la viticulture ou l'horticulture, on a le droit à la fin de l'année de demander une extension de 3 mois. Il faut savoir que le volontariat ou le bénévolat, même si c'est dans l'horticulture ou la viticulture, ça ne donne pas droit à cette extension de 3 mois. Pour le Canada, c'est une question qui peut peut-être intéresser certains d'entre vous qui ont un projet de résidence permanente au Canada, notamment au Québec. Il y a certaines provinces, comme le Québec, qui demandent à ce qu'on ait un certain temps d'expérience sur le territoire pour accéder à certains programmes de résidence permanente. Il faut savoir qu'au Québec, le temps de travail requis doit être rémunéré. Ça ne peut pas être du bénévolat ou du volontariat. Ça ne rentre pas dans le calcul des jours. Enfin, pour l'Australie, sous condition, on peut obtenir un deuxième, voire un troisième visa vacances travail pour l'Australie, à condition d'avoir travaillé pendant un certain laps de temps notamment des fermes, dans la construction et dans les mines. Jusqu'à fin 2015, le travail volontaire, oui, vous permettait d'être éligible à ces deuxième et troisième visa vacances travail. Bon, le troisième visa vacances travail, il n'existait pas à l'époque, mais en tout cas pour le deuxième, c'était encore comptabilisé. Sauf qu'il y a plein de fermiers qui ont vu que le volontariat, c'est génial. On ne paye pas les gens et puis en plus ils sont ravis de le faire gratuitement puisqu'ils pourront obtenir un deuxième visa vacances travail. Donc l'Australie a stoppé tout ça. Pour être éligible au deuxième et troisième PVT Australie, il faut forcément que ce soit de l'emploi rémunéré. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les petites réglementations. Donc voilà pour les règles de base. Maintenant, je voudrais vous attirer votre attention sur le fait d'être toujours vigilant. Les arnaqueurs sont très 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 créatifs. On est épatés des fois par leur talent. Il y a toujours des gens pour escroquer dans tous les domaines, et notamment dans tout le monde du bénévolat, de l'humanitaire, etc. Faites attention si vous cherchez du bénévolat ou du volontariat, à pas tomber sur des sites qui vont vous demander de l'argent pour vous placer sur des missions. Je vais revenir plus tard sur les réseaux reconnus pour le volontariat, mais pour le bénévolat, je vous recommande au maximum d'attendre d'être sur place pour chercher quelque chose ou éventuellement de contacter des structures 2, 3 semaines avant d'arriver en PVT. Voilà, évitez les trucs qui ont l'air qui ont l'air officiels et qui ne le sont pas. Je peux simplement vous dire ça, c'est pas évident à lister puisqu'il y a beaucoup de sites internet. En tout cas, si vous voulez faire du bénévolat,
Je vous recommande de chercher par exemple des associations qui sont dans des domaines qui vous intéressent, avec les animaux, avec de l'aide sociale par exemple, ou de l'événementiel pour des festivals de musique, de cinéma, etc. Et un petit peu avant d'arriver ou en étant sur place pendant votre PVT, vous pourrez directement aller sur leur site internet et regarder s'il y a une section recrutement ou une section bénévolat. Par exemple, il y a beaucoup de festivals qui ont une section volunteer. Voilà. Donc ça va être, vous allez chercher volunteering pour le côté anglophone. Pour l'espagnol, ça va être voluntariado, par exemple, côté Amérique du Sud. Je ne vais pas me tenter à dire ces mots-là en japonais, en coréen ou en mandarin. Je vous laisserai chercher par vous-même. Mais en tout cas, allez directement sur le site internet d'une association ou d'une structure qui vous intéresse tout particulièrement. C'est sans doute la meilleure façon de trouver un bénévolat. On va vous mettre des liens, notamment pour les trois sites anglophones, les trois PVT anglophones. Pour le Canada, donc il y a bénévole.ca ou volunteer.ca. Pour l'Australie, c'est volunteer.com.au. Et pour la Nouvelle-Zélande, c'est le site volunteeringnz.org. Donc on va vous les mettre en commentaire de la vidéo. Voilà, vous pouvez tout à fait chercher sur Google volunteering plus la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Du moment que vous faites attention à ne pas payer tout un tas de cotisations louches, c'est OK. Voilà. Ensuite, pour le volontariat, et après je rentre dans le vif du sujet, pour le volontariat, comme c'est souvent dans des zones rurales, c'est beaucoup des fermes, des petites structures, etc., ça peut être intéressant d'avoir un véhicule ou peut-être de faire du volontariat avec quelqu'un qui a un véhicule. C'est sûr que si c'est une auberge de jeunesse qui vous prend volontariat, ce sera sans doute dans une ville et donc ça passe. Mais si vous êtes, comme ça m'est arrivé moi pendant un volontariat, dans un endroit qui est quand même au milieu de la nature et justement vous êtes venu chercher ça, la nature, le calme, quelque chose qui change un environnement reposant. Sans véhicule, vous êtes complètement coincé. Donc voilà, si vous n'avez pas de voiture et que vous ne pensez pas voyager avec des gens qui en ont une, peut-être essayer de cibler des volontariats dans des endroits qui restent un tout petit peu urbanisés avec au moins un petit centre à côté pour aller faire vos courses et côtoyer des gens. Je sais pas, un bar par exemple. Voilà, c'est une des petites informations qui peut être pertinente. Concernant le bénévolat, donc vous allez certainement vous tourner vers différents types de structures, j'en ai listé quelques-unes. Les organismes de bienfaisance, les associations, les centres communautaires, les centres de réadaptation, les hôpitaux, les maisons de retraite, tout ce qui est activités culturelles, donc je disais festivals de cinéma, de musique, ça peut être des salles de concert, ça peut être des musées, des radios. Il y a beaucoup de structures comme ça qui peuvent être intéressées par des gens qui donnent de leur temps, peut-être même 1 heure par semaine ou un petit peu plus, hein, parfois l'engagement est quand même plus élevé. Ça peut aussi être comme ici, ce que Marie, ma collègue, que vous devez connaître, fait. C'est dans une épicerie solidaire, si je dis pas de bêtises, si elle me regarde, j'espère que je dis pas de bêtises, mais ça peut être tout un tas de choses qui en fait vous intéressent en fait. En l'occurrence, Marie, ça lui plaît d'être dans quelque chose où ça va être un petit commerce qui va vendre aux gens du quartier, etc. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, cherchez ce genre de structure dans la ville dans laquelle vous pensez vous rendre et vous allez peut-être trouver des contacts. Regardez sur leur site internet s'ils cherchent des volontaires ou pourquoi pas passez-leur un coup de fil pour leur poser la question. Voilà, donc ça c'est plutôt pour le bénévolat directement sur place. Évidemment, si vous faites du sport, que vous êtes bon dans le sport ou peut-être en danse, peut-être que vous pouvez rejoindre une association de danse, de sport, etc. ou avec les enfants. Il y a quand même beaucoup de choses à faire et vous allez le voir par la suite, il y a quand même beaucoup d'intérêt à faire du bénévolat. Pour le volontariat, il existe trois réseaux qui sont hyper connus et certainement vous en avez déjà entendu parler. Le premier, c'est le réseau WOOF ou Woofing, WOOF. Le deuxième, c'est Help Exchange, surnommé Helpix. Et le troisième, c'est Workaway. Donc, le Woofing, c'est vraiment focalisé sur des fermes biologiques. Ouais, c'est ça qu'on dit, ouais, organique, c'est en anglais. Des fermes biologiques. Donc, si vous êtes très intéressé par tout ça, c'est vraiment sans doute le réseau qui va le plus correspondre à vos valeurs et qui vous intéressera le plus dans les rencontres que vous allez faire et dans les expériences que vous allez faire aussi, peut-être dans de la fabrication de fromage, dans le ramassage de fruits et légumes, dans différentes choses de ce type-là. Le Help Exchange et Workaway, c'est un petit peu plus vaste. Ça peut être des fermes, biologiques ou non. Ça peut être une famille.
qui cherche quelqu'un pour garder ses enfants, ça peut être un bateau de croisière qui cherche du personnel, ça peut être une auberge de jeunesse qui cherche quelqu'un pour travailler à l'accueil ou pour repeindre toutes les clôtures. C'est plus varié, disons. Donc justement, en termes de tâches, là aussi j'en ai noté, parce qu'on peut imaginer toujours volontariat, c'est tout le temps la même chose, mais pas forcément. Ça peut être évidemment du ramassage, emballage et même de la vente de fruits et légumes. J'avais connu des PVTistes comme ça en Nouvelle-Zélande qui ramassaient un petit peu le matin les courgettes et qui allaient au marché du coin dans une toute petite ville néo-zélandaise. Et ils étaient, je crois, 6 helpers, 6 volontaires. Donc voilà, ils vendaient les fruits et légumes au marché. Et le soir, ils étaient tranquilles entre eux, il y avait une super ambiance. Donc ça peut être une des expériences. Ensuite, ça peut être du ménage. Ça peut être de la garde d'enfants, s'occuper d'animaux. On va vous mettre aussi un lien d'une PVTiste en Nouvelle-Zélande qui a fait un volontariat dans de la randonnée à cheval. Elle emmenait les touristes faire des balades à cheval, donc plutôt sympa. Ça peut être dans un bed and breakfast, un chalet, une auberge de jeunesse. Ça peut être repeindre des clôtures, faire des réparations, de la rénovation, tondre la pelouse, faire à manger. Ça peut paraître bête, mais parfois, il y a des gens qui ont beaucoup de travail dans le cadre de leur structure, et donc ils n'ont pas le temps de cuisiner, ou peut-être qu'ils ne sont pas très bons en cuisine, et donc ils peuvent chercher quelqu'un qui va faire quelques petites tâches, et également la cuisine, ça c'est tout à fait possible. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est festival, etc. Ça peut être faire partie du staff, pardon, pour les randonnées à chiens de traîneau, les mushers. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont pris là-dedans en volontariat, notamment au Canada, bien sûr. C'est pas rémunéré, mais du coup, voilà, on apprend un nouveau métier. Pour certains, ça devient une vocation. Voilà, je pense notamment à une PVTiste que je connais qui était dans le marketing et qui s'est retrouvée à lancer son entreprise Copain Canin C'est pas dressage de chien, c'est plutôt éducation canine suite à une expérience de volontaire en tant que musher au Québec. Donc voilà, si vous êtes sur Lyon, typiquement, elle s'est installée là-bas et elle a totalement changé sa carrière. Donc des fois, le volontariat, ça peut être quelque chose qui change votre vie en fait, si ça vous intéresse, ce que vous êtes en train de faire, bien sûr. Si vous faites un volontariat qui ne vous transcende pas, bon bah ce sera simplement une bonne expérience, que vous n'en ferez pas plus derrière. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Donc, staff sur un bateau. Là aussi, on a un témoignage. Celle qui a fait des randonnées à cheval en Nouvelle-Zélande pendant un volontariat, elle a aussi fait un volontariat dans un bateau. Elle est partie de Nouvelle-Zélande jusqu'au Fidji, je crois bien. Et elle était staff sur le bateau. Je crois notamment qu'elle faisait à manger. On a un témoignage aussi qu'on va vous mettre en Australie. Il y en a qui ont nourri des dauphins à. Comment ça s'appelle? C'est dans le territoire, enfin l'Australie, le Western Australia, dans un Monkey Mia, je crois que ça s'appelle. Et ces mêmes personnes ont également fait un volontariat dans une communauté aborigène. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vivement à lire ce récit qu'on va vous mettre en lien. La personne qui a fait ça, en fait, elle a fait des études d'art aborigène. Et donc, quand elle est partie en Australie, pour elle, c'était une évidence d'essayer de trouver un volontariat dans une communauté aborigène. Il y a beaucoup de choses qu'elle a aimées. Il y a des choses qui ont été beaucoup plus délicates. Et ce que j'ai aimé dans leur interview sur PVTiste, c'est que ça a été très honnête, en fait, leur témoignage. Et je pense vraiment que c'est intéressant à lire si c'est quelque chose que vous voulez faire pendant votre PVT en Australie. Dernier lien qu'on va vous mettre. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. C'est Laetitia qui a fait 8 sortes de volontariat pendant son PVT au Canada. Donc c'est un article qui date un petit peu de quelques années, mais ça peut vous montrer la diversité des volontariats en fait. Vous n'êtes pas fermé à un type d'expérience. Vous pouvez vraiment vivre des choses très très différentes les unes des autres. Voilà. Alors, le concept du volontariat, je vous le disais tout à l'heure. Vous travaillez, vous n'êtes pas rémunéré et en échange, vous avez quand même des compensations. La règle de base du volontariat, c'est de travailler de 3-4 heures par jour à 6 heures par jour maximum, 5 jours par semaine en ayant ses week-ends. Ça, c'est la règle de base. Je vais y revenir après. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes chez des autres qui vont vous dire de travailler toute la journée, tous les jours. C'est pas ça un volontariat. C'est vraiment vous donner de votre temps, d'accord, mais vous avez aussi du temps à côté pour prendre du temps pour vous et peut-être pour visiter la région également. En échange, vous êtes généralement logé, nourri et blanchi. Hein, vous avez accès à une machine à laver, comme ça vous êtes en autosuffisance pendant votre volontariat. Mais tout ça, c'est flexible. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'être en contact avec votre hôte avant pour mettre tout à plat. Vous attendez combien d'heures de travail de ma part et qu'est-ce que j'aurai en retour en gros?
peut-être un petit peu mieux dit que ça, parce que par exemple, si j'ai eu des témoignages aussi de PVTistes qui faisaient que le ménage et la nourriture, mais 2 heures par jour, et donc du coup, elles étaient simplement logées, mais la nourriture n'était pas fournie, par exemple. Ça peut être quelque chose qui est cohérent. On vous demande moins d'heures, on vous offre moins en échange. De même qu'on peut vous demander peut-être de travailler 7 heures par jour, et en échange, vous êtes logé à deux en couple dans quelque chose de très confortable, bien à part, avec peut-être un sauna. Enfin, je vous dis n'importe quoi, mais ce que je veux dire, c'est que si on vous demande plus d'heures, il faut qu'il y ait une compensation supplémentaire. Voilà. Concernant la participation au réseau, c'est des participations qui sont payantes, c'est-à-dire que vous avez accès au site Woofing, Help Exchange et Workaway gratuitement, mais vous n'allez pas pouvoir utiliser les trois réseaux de façon optimale si vous ne payez pas. Donc le Woofing, ça dépend des pays. Je vous ai noté quelques exemples. L'Australie, c'est 70 dollars australiens pour 2 ans. Le Canada, c'est 55 dollars par an par personne, ou si vous êtes à deux, c'est 80 dollars par an. Au Japon, c'est 5 500 yens, ce qui équivaut à 44 euros, mais pour 18 mois. Et vous verrez directement en allant sur woof.net, donc woof.net, vous avez un onglet destination. Vous allez voir pas mal de pays en vert, notamment le Japon, le Canada et l'Australie. Ça veut dire que c'est des pays qui ont un vrai réseau woofing. Et il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment de réseau woofing qui a été créé, mais ils ont quand même quelques autres qui sont aptes à vous accueillir. Et tous ces pays-là, ils apparaissent en orange. Et le réseau du woofing a appelé ça Woof Independence. Donc, ça veut dire que si vous allez dans un pays qui est en orange, vous aurez sans doute pas beaucoup de choix, beaucoup moins de choix en tout cas en termes d'hôtes, mais il y en aura quand même. Donc, par exemple, pour l'Argentine, j'ai noté, ça fait partie des Woof Independent, et pour le coup, c'est 20 pounds par an pour une personne, donc environ 22 euros, et si vous êtes deux, c'est environ 33 euros, puisque c'est 30 pounds, 30 livres pour l'année. Voilà. Pour le Help Exchange, c'est plus facile, c'est 20 euros pour 2 ans, quel que soit le pays, c'est un prix fixe. Et pour le coup, c'est vraiment pas cher. Quand on sait qu'on peut tout à fait faire pas mal de volontariat pendant son PVT, mais pourquoi pas faire un petit volontariat aussi avant de partir en PVT pour s'améliorer dans la langue du pays, par exemple en Irlande, ou je sais pas, à Malte, par exemple. J'en parlais l'autre jour quand on a fait une visio sur le fait de partir en PVT sans parler la langue du pays. Et j'expliquais que certains font un volontariat avant de partir pour justement un petit peu se dérouiller dans la langue du pays et partir un petit peu plus préparé. Enfin, Workaway, c'est 39 euros par an si vous êtes seul et 49 euros par an si vous êtes deux. Là, le site, c'est workaway.info. Et pour le Helpx, je ne l'avais pas dit, c'est helpx.net. Voilà. Alors maintenant, pourquoi c'est intéressant pendant un PVT de faire du volontariat? Il y a pas mal de raisons. Déjà, vous allez vous immerger chez des locaux, dans votre pays d'accueil. Ça veut dire que vous allez être bercé par la langue du pays. Vous n'allez pas forcément côtoyer plein de jeunes qui viennent du monde entier dans une auberge de jeunesse. Vous allez être vraiment avec des locaux. Vous allez pouvoir améliorer votre niveau de langue, votre accent également, et découvrir la façon de vivre des locaux. On a beau dire, il y a des pays du PVT qui ne sont pas très exotiques. C'est sûr, si on part au Japon ou si on part en Uruguay, on va être plus dépaysé que si on part au Canada ou en Nouvelle-Zélande. Malgré tout, en vivant avec les locaux, c'est sûr qu'on découvre des choses qui sont différentes ou des choses que nous on fait qui les surprend. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, le volontariat, ça se veut convivial. Je vais y revenir après. Malheureusement, parfois, ça se passe pas super, mais la majorité du temps, c'est des gens qui sont dans l'échange, qui vont prendre le temps de parler doucement pour que vous compreniez bien ce qu'ils disent, qui vont vous donner des conseils sur les choses à voir aux alentours, qui vont s'intéresser à vous, etc. Donc, c'est un contexte un petit peu... Certains parlent d'une espèce de petite famille en étant loin de sa famille. Voilà. Si on a la chance de tomber dans une famille avec qui, bien sûr, ça accroche bien, ça peut être vraiment sympa. Ensuite, on va, je l'ai dit tout à l'heure, acquérir des nouvelles connaissances et compétences. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas doué du tout, pardon, en bricolage et que là, en aidant quelqu'un à rafistoler sa maison, construire des choses, etc., vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si compliqué que ça et que du coup, vous allez repartir de votre PVT beaucoup plus débrouillard et manuel qu'en arrivant. Donc ça, c'est forcément intéressant.
quelque chose que j'aimerais préciser. C'est un conseil que je donne, je pense, depuis 10 ans. Je n'ai pas eu de retour, en fait, de la part des PVTistes, donc je ne sais pas du tout si c'est un super conseil ou si c'est un conseil en carton. Donc je vous laisserai en faire ce que vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui me disent, bah oui, mais moi, le volontariat, j'aime bien, mais c'est pas mal des boulots manuels, et moi, ce n'est pas du tout mon domaine, et j'aimerais bien qu'en rentrant de mon PVT, je puisse mettre en avant des compétences dans mon domaine. Sauf que des fois, les gens travaillent dans un domaine qui nécessite un bon niveau de langue et ils n'ont pas un bon niveau de langue. Donc le volontariat, selon moi, ça peut être une bonne opportunité aussi. Le bénévolat aussi. C'est-à-dire que si vous avez l'occasion de faire un bénévolat dans une entreprise ou une structure qui est en lien avec votre domaine, c'est idéal, vous allez pouvoir le mettre sur votre CV et peut-être même ne pas préciser que c'est un bénévolat. Ils n'iront pas vérifier, je pense. Puisqu'on est en France et en Belgique, je crois que généralement, ils n'appellent pas les anciens employeurs. Si vous êtes canadien, par contre, c'est vrai que les employeurs canadiens ont tendance à appeler les anciens employeurs, donc à vérifier si vous mettez que c'est un bénévolat ou non, ça, c'est à vous de décider. Mais pour le volontariat, le conseil que j'ai donné plusieurs fois, c'est, imaginons que vous êtes graphiste, vous faites des logos, ou si vous êtes programmeur informaticien, que vous faites des sites internet. Peut-être que vous pourriez contacter une structure qui a un site internet qui date des années 90, il y avait internet dans les années 90, bon, qui date des années 2000, ou qui a un logo qui est pas terrible ou qui n'a pas de logo. Et dans ce cas-là, peut-être leur proposer effectivement de venir comme un volontariat normal en étant logé et nourri et en y passant un mois par exemple pour leur faire leur site internet, pour leur faire un logo, une charte graphique, une page Facebook, un compte Instagram, j'en sais rien. Mais vous pourriez tout à fait proposer ça, proposer ce que vous savez faire et qui n'a rien à voir avec les compétences manuelles. Peut-être que l'autre va vous dire, ah non, mais ça ne nous intéresse pas du tout, nous on cherche des gens pour ramasser des courgettes. Mais vous aurez peut-être des autres qui vont dire, ah mais c'est génial, bien sûr, viens. Et dans ce cas-là, effectivement, vous n'allez pas gagner d'argent, mais vous allez non seulement contribuer à un projet dans une structure qui n'a pas les moyens de se payer un graphiste ou un programmeur qui va lui faire son site et son logo, mais surtout, si votre objectif de PVT, c'est de mettre en avant que vous avez acquis des compétences à l'international, vous pourrez l'afficher sur votre CV, là aussi en précisant pas forcément que c'était un volontariat. Et ça, c'est quelque chose qui, à un entretien d'embauche en rentrant, peut être vraiment pertinent. Je ne sais pas si c'est déclinable à l'infini ce que je viens de dire, la graphiste pour un logo et programmeur informaticien, mais il y a sans doute d'autres choses. Si vous travaillez dans la communication, ça aussi, ça, vous pouvez le mettre en avant. Je pense qu'il y a pas mal de domaines où vous pouvez tenter le coup. Au pire, ils vous répondent pas et au pire, ils vous répondent non. Mais au mieux, ils vous répondent oui et vous faites une belle expérience dans votre pays de PVT, alors que peut-être vous n'auriez pas pu travailler dans votre domaine parce que votre niveau de langue n'est pas assez bon. Voilà. Ensuite, c'est évidemment le volontariat, l'opportunité d'économiser de l'argent ou du moins de ne pas en dépenser. Parce que d'accord, vous n'allez pas gagner d'argent, mais à côté de ça, vous allez faire une croix sur les postes de dépenses principaux des PVT, c'est-à-dire la nourriture et le logement. Éventuellement, les transports aussi, si vous vous installez pendant un petit moment quelque part, vous n'aurez pas trop de transports à dépenser. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je pense notamment aux gens qui sont dans une période un peu compliquée pendant un PVT, par exemple, ils ne savent pas trop quoi faire, ils ne trouvent pas de boulot, ils trouvent qu'ils ne parlent pas assez bien la langue, etc. Ça peut être un moment de mettre tout en pause. Voilà, je dépense plus d'argent, j'en gagne pas. Je fais ça, pour l'instant je vais penser à ça, je vais me changer les idées, je vais rencontrer des gens sympas, je vais apprendre des choses, voilà, remettre un peu les compteurs à zéro et pour mieux repartir par la suite. Ça peut vraiment faire ça aussi, un volontariat, ça peut être une pause. Justement, vous vous dites que vous vous êtes engagé pendant un mois. Pendant un mois, vous savez ce que vous allez faire et vous n'avez plus l'inquiétude de est-ce que je vais pouvoir payer ma nourriture et mon loyer. Voilà, ça c'est pas mal. Quand on est à parler d'argent, je vais forcément évoquer ça, peut-être encore plus à partir de cette année, j'en sais rien. Mais parfois, certaines personnes se retrouvent à un moment de leur vie où l'argent, ils en ont marre. Le rapport d'argent, payer, acheter, enfin, j'ai connu des gens qui saturaient littéralement des notions d'argent, des rapports d'argent avec les gens. Et je vous parlais tout à l'heure d'un de nos modérateurs sur PVTiste qui a décidé de faire un PVT sans argent, en fait, que du stop pour ses déplacements et que du volontariat pour le travail et pour le logement et la nourriture. Et je pense que pour certains, ça peut faire un peu du bien de plus être du tout dans un environnement d'argent. Si c'est votre cas, si ce que je suis en train de vous dire vous parle, le volontariat, ça peut être vraiment quelque chose qui vous plaît beaucoup. Voilà.
Ensuite, la langue, ça j'en ai parlé. Alors évidemment, quand on arrive en PVT et qu'on ne parle pas très bien la langue du pays, il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire des cours de langue. Donc ça, c'est une très bonne option pour s'améliorer dans la langue du pays, pour commencer à rencontrer des gens, etc. Pour ceux qui n'aiment pas du tout l'école, enfin, c'est un mauvais souvenir, vous ne voulez pas du tout y retourner. Et pour ceux qui n'ont pas le budget de se payer des cours, le volontariat, pour beaucoup de PVTistes, c'est une alternative aux cours d'anglais ou d'espagnol ou de japonais ou autre. Parce qu'effectivement, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui vous apprend la langue, mais vous allez côtoyer des gens avec qui vous allez parler. Et au fil des jours, c'est obligé que vous vous amélioriez, au moins en compréhension orale et un petit peu en expression, puisque vous allez sans doute faire l'éponge et comment dire, répéter un peu ce que dit votre hôte, etc. Donc ça, c'est forcément une bonne méthode pour vous améliorer dans la langue, sans avoir peur, là aussi, d'avoir un employeur qui vous dit, dis donc, tu comprends rien à ce que je raconte, je vais te virer. Il y a moins de pression en volontariat. Ensuite, valoriser son expérience de volontariat sur un CV, j'en ai parlé tout à l'heure, ça c'est si vous arrivez à travailler dans votre domaine, mais bien évidemment, vous pouvez aussi, si ce n'est pas mettre en avant un savoir-faire, ça peut être un savoir-être aussi. Vous êtes quelqu'un de généreux, qui s'est investi dans des projets qui n'étaient pas le sien, qui a donné du temps pour les autres, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant aussi, peut-être plus au Canada que chez nous en France-Belgique, mais je pense que tout ça évolue, que les recruteurs, les RH, etc., commencent un petit peu à changer leur position et que le côté humain a de plus en plus de place sur un CV et lors d'un entretien d'embauche. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. Bien sûr, faire du volontariat, c'est l'opportunité d'avoir des références d'employeurs, entre guillemets, et d'étendre votre réseau professionnel. Par exemple, on va vous mettre un lien d'un témoignage de deux PVTistes au Chili qui ont travaillé dans les, comment ça s'appelle, dans des termes, des termas geográficas. C'est plutôt intéressant parce qu'en fait, leur volontariat leur a permis donc de se faire de l'expérience, mais en plus de ça, ils avaient accès aux termes. Donc ça, c'est plutôt, c'est un des avantages de faire du volontariat, c'est qu'on peut parfois avoir accès à des activités payantes, mais gratuitement. Donc ça peut être bien. Mais dans leur cas à eux, il se trouve que leur employeur, comme il a trouvé qu'ils étaient des super volontaires, il les a embauchés par la suite. De même que j'ai déjà connu des PVTistes qui faisaient un volontariat dans la ferme A et le voisin, ferme B, a fait passer le message aux alentours qui cherchaient des gens à recruter. Et du coup, bah, leur hôte leur a dit, bah, mon voisin recrute si vous voulez y aller. Donc évidemment que ça peut faire un réseau et donner des opportunités, que ce soit chez l'autre, chez qui on est, mais peut-être aussi dans les alentours. Et puis ça fait des références. Je pense surtout au Canada, hein, je vous le disais tout à l'heure, les employeurs canadiens ont tendance à vous demander des références systématiquement quand vous postulez et à contacter vos références, vos anciens employeurs. Donc, si vous avez fait un volontariat qui s'est super bien passé et que vous n'avez pas encore travaillé de façon rémunérée au Canada au début de votre PVT, cette référence de volontariat, ça peut être un super plus sur votre CV. Voilà. Et puis enfin, ça peut être se faire des potes, bien évidemment. Donc si c'est un de vos objectifs, faites attention à ne pas cibler des volontariats. Pour le bénévolat, c'est bon. Généralement, les bénévolats, il y a toujours une équipe. Mais pour le volontariat, parfois, comme c'est des toutes petites structures, elles prennent un volontaire par un volontaire. Si votre but, c'est d'être un peu sociabilisé, c'est raté. Donc généralement, je sais que c'est le cas sur le site du Helpix, mais je ne sais pas pour les deux autres. Normalement, vous avez le nombre de volontaires qui peuvent être accueillis en même temps, ou alors c'est précisé dans l'annonce, ou alors vous posez la question en envoyant votre candidature, vous demandez si plusieurs personnes peuvent venir. Parce que c'est sûr que quand on est 4, 5, ça peut être vraiment sympa, parce que le soir, du coup, on est entre volontaires, on peut boire un coup, jouer aux cartes, discuter, etc. Donc voilà, si c'est votre objectif, ça peut être sympa de cibler des endroits où il y aura d'autres volontaires. Et si vous préférez être tout seul, faites l'inverse. Voilà. Ensuite, par rapport à l'hôte. Après ça, j'ai terminé, on pourra passer aux questions. Alors, ce que j'ai noté comme conseil, généralement, il ne faut pas contacter les autres des mois et des mois à l'avance, mais il ne faut pas non plus attendre la dernière minute, même si parfois ça fonctionne, notamment parce qu'ils ont un besoin et qu'ils n'avaient trouvé personne, ou alors parce qu'il y a eu une annulation, par exemple. Mais il faut savoir aussi que parfois, quand c'est des zones rurales et que les gens travaillent beaucoup, par exemple en ferme, etc., ils ne sont pas constamment connectés à Internet. Donc, si vous les contactez trop tard, vous n'aurez peut-être pas de réponse.
Voilà, donc essayez quelques semaines avant d'arriver ou quelques semaines avant de vouloir faire un volontariat. Ne serait-ce que s'ils accueillent beaucoup de volontaires, peut-être qu'ils ont déjà 2 mois de rempli devant eux. Donc ça peut être pas mal d'anticiper un tout petit peu, mais pas trop. Je dirais que vaut mieux anticiper trop que pas assez finalement. Mais voilà. Après, il y a des témoignages de PVTistes qui disent que parfois on n'a pas du tout de réponse. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à relancer, à téléphoner, peut-être à personnaliser un petit peu plus votre email. Et puis parfois, c'est juste que, bah, ils oublient de regarder parce qu'ils ont déjà des hôtes. Donc continuez, persévérez, ça va bien finir par fonctionner. Ensuite, si une fois sur place, je vous ai conseillé tout à l'heure d'aborder en amont le nombre d'heures travaillées et ce que vous aurez en échange. C'est important de le faire. Mais une fois que vous arrivez sur place, s'il y a un souci, abordez-le tout de suite. J'ai une amie qui m'a dit l'autre jour, elle faisait un volontariat. Et en fait, bah, elle devait avoir 2 jours de repos dans la semaine. Puis au jour 6, bah, il n'y avait rien, quoi. Comme si bah, l'hôtesse, elle attendait que personne, enfin, de voir si personne ne dit rien et on continue à travailler tous les jours. Il faut vraiment aborder rapidement, genre on avait convenu, etc. Parce que sinon, vous allez vous retrouver à travailler beaucoup trop. Ce n'est pas le but d'un volontariat. Si ça ne se passe pas bien, si vous faites beaucoup trop d'heures, si le travail est trop difficile, si la part du contrat de l'hôte n'est pas remplie, c'est-à-dire que vous êtes nourri mais avec les restes, qu'il n'y a pas assez de nourriture, que c'est le logement est insalubre, etc., vous n'hésitez pas à partir, bien sûr, hein, vous n'êtes pas là pour vivre une mauvaise expérience, vous n'hésitez pas à partir et vous n'hésitez pas non plus à témoigner sur les 3 sites Woofing, Help Exchange et Workaway. Là, ce que je suis en train de dire, ça concerne plutôt le volontariat. En bénévolat, c'est un peu différent parce que vous ne dormez pas sur place, donc l'engagement est quand même moindre. N'hésitez pas à témoigner parce que les témoignages sur les sites des volontariats, c'est anonyme généralement, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc que ce soit positif ou négatif, pensez toujours à laisser un commentaire. Si c'est positif, ça va aider votre hôte à avoir des gens qui choisissent leur structure pour venir faire leur volontariat parce qu'ils sont totalement rassurés. Et si c'est négatif, vous éviterez des galères à des volontaires qui se seraient intéressés à cette ferme-là ou cette famille-là, par exemple. Donc n'hésitez pas. Ensuite, il arrive malgré tout qu'il y ait des problèmes, même quand il y a eu des commentaires positifs. On n'est pas à l'abri de ça. On a eu un témoignage notamment dans notre dossier sur le volontariat, sur PVTist, quelqu'un qui disait, j'avais lu les commentaires, ils étaient bons, mais elle ne nous a pas donné les détails, mais le mec, en pleine nuit, l'a mise à la porte. Donc heureusement, elle a des amis qui n'étaient pas très 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 loin, qui ont pu venir la chercher. Mais voilà, c'est le type d'expérience qu'on n'a pas envie de vivre. Donc n'hésitez pas dans tous les cas donc à lire les commentaires, à prévenir des proches qui ne sont pas très loin de l'endroit où vous allez avec l'adresse, le numéro de téléphone et le nom de la personne. Et puis peut-être que si vous allez dans un endroit qui n'a aucun commentaire, évitez de le faire tout seul. Voilà, c'est peut-être mieux de faire ça plus sage en tout cas, soit d'y aller à plusieurs comme ça, si vous voyez que c'est bizarre tout de suite, vous partez. Et puis si vous êtes tout seul ou toute seule, peut-être favoriser les endroits où il y a plusieurs volontaires et ou des endroits où il y a eu des très bons commentaires. Voilà, là aussi, j'ai une amie qui est arrivée récemment à un volontariat au Canada et qui est arrivée, en fait, c'était totalement, enfin, c'était une ferme, mais c'était très sale. Les animaux étaient visiblement pas super bien traités. Elle est partie tout de suite. Voilà. Donc, bon, évidemment, c'est pas ce que je vous souhaite. Certainement que le volontariat, ça va être une super expérience pour vous. Mais sachez que, comme partout, on peut tomber sur des cons ou sur des endroits qui sont pas vraiment raccord avec nos valeurs et l'expérience qu'on veut vivre. Dans ce cas-là, vous forcez pas le destin, vous partez. Voilà. Alors, pour terminer, je voudrais préciser à ceux qui veulent aller au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud ou en Australie, qu'on a des guides des PVTistes pour ces 5 pays qui sont totalement gratuits en PDF et qui vous donnent toutes les informations que vous devez connaître pour ces pays-là. Donc pvtist.net/guide au pluriel. Vous avez également Parole de PVTiste, qui est un recueil de 34 témoignages de PVTistes en PDF gratuit aussi. C'est des PVTistes dans tous les pays du monde et même une Québécoise en PVT en France. Ça peut vous donner de la lecture là si vous n'êtes pas en mesure de partir en PVT parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui sont actuellement ouverts. Ça peut vous donner un petit peu des idées de choses à faire pendant vos PVT, d'autant que dedans, pardon, il y a des gens qui ont fait du volontariat.
Voilà, pour terminer, sachez qu'une fois par semaine, on fait le point Covid que j'ai évoqué tout à l'heure, qui vous permet de vous tenir informé des dernières actualités, et qu'on est également assez présent sur Facebook et sur YouTube. Notamment, cette visio, si vous avez raté le début, elle sera disponible dès la fin de la visio sur notre page Facebook, mais également sur YouTube demain. Voilà, merci à tous pour votre attention. Je vais pouvoir aller regarder si vous m'avez posé des questions ou pas. Alors, première question. J'ai prévu de faire un PVT au Chili l'année prochaine à Santiago, de travailler environ 3 jours par semaine et de faire du bénévolat le reste du temps. Avez-vous des conseils en particulier ou des sites web à me donner? Alors, ce serait plutôt du côté du site de Workaway, parce que je ne sais pas pour le Helpix et pour Woofing s'il se trouve au Chili, mais Workaway, oui. Vous pouvez regarder, tu peux regarder pardon, notre dossier sur l'emploi au Chili qui pourrait donner des informations sur le travail, mais également sur le bénévolat. Et tu peux regarder également sur notre groupe Facebook et sur notre forum de discussion, voir un petit peu ce qui a été dit. C'est vrai que le Chili, c'est un PVT qui a 400 places par an qui ne sont même pas prises. Il n'y a pas autant de retours que pour les pays anglophones. Mais tu ne devrais pas avoir de mal. Toi, tu sais plutôt du bénévolat que tu veux faire. Dans ce cas-là, je te conseillerais d'aller sur... peut-être regarder un petit peu à Santiago ce qui se passe, qui t'intéresse. Si tu es intéressé plutôt, je ne sais pas, par les personnes âgées, les enfants, les animaux, le culturel, les événements, qu'est-ce que je peux dire d'autre, aider les personnes qui sont dans le besoin par exemple, et regarder à Santiago les associations qui sont sur cette cible-là. Et dans ce cas-là, tu pourrais regarder sur leur site internet si tu vois une section volontaire bénévolat. Et dans ce cas-là, les contacter un petit peu avant d'arriver. Je pense vraiment que c'est le mieux de cibler auparavant les associations qui nous intéressent, nous. Pour le bénévolat, je pense que c'est le mieux. Voilà. Un bénévolat peut-il être accepté comme promesse d'embauche pour partir au Canada actuellement? C'est une bonne question. Très, très pertinente. Alors, officiellement, sur le site du Canada, c'est pas précisé quel type de travail est reconnu. En revanche, on a eu des gens qui ont réussi à partir en PVT en ayant une offre de volontariat. Le bénévolat, c'est un petit peu différent. Mais je ne sais pas si ça passerait comme un volontariat. Après, pour le volontariat, j'ose même pas dire qu'à coup sûr ça va passer parce que c'est des témoignages qu'on a eus, mais peut-être qu'il y en a eu qui ont eu un refus et qui ne nous l'ont pas dit. Donc c'est un petit peu difficile à savoir. Il faut savoir qu'en gros, l'agent d'immigration et même l'agent des services frontaliers qui se trouve directement à l'aéroport au départ de la France ou de la Belgique, il va juger avec ton projet si ton départ au Canada est essentiel. C'est vraiment ça qu'il regarde. Si c'est un bénévolat, un volontariat, il peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment essentiel. Après, ça dépend ce que tu fais. Si c'est dans la santé, si c'est peut-être dans l'aide aux personnes qui ont besoin de nourriture en temps de Covid, etc., peut-être que ça peut passer. Je ne peux pas te donner de réponse garantie, en fait. Et le problème, c'est que pour avoir ta réponse, il faut que tu achètes un billet d'avion, il faut que tu ailles à l'aéroport et que tu vois si ça passe. Du coup, ça fait quand même une dépense qui n'est pas forcément évidente. Voilà, mais bon, on a eu des gens pour qui c'est passé en volontariat, donc voilà, c'est pas clair comme réponse, je m'en excuse. Dans le contexte du Covid, le volontariat est-il encore possible au Canada, par exemple, et accessoirement, peut-on changer de province? Alors oui, c'est tout à fait possible de faire du volontariat aujourd'hui. Simplement, il faut regarder si d'une province à l'autre, il y a des restrictions de déplacement. Je sais que pendant un moment... C'était le Nouveau-Brunswick ou la Nouvelle-Écosse était totalement fermée. Malheureusement, là, je ne sais plus ce qu'il en est. Autant le 16 novembre, je vais faire un point Covid sur Facebook, sur le Canada. Et là, je serai vraiment bien informée. Là, tout de suite, je ne voudrais pas te dire de bêtises. Mais il faut, voilà, faut regarder selon là où tu es actuellement, si tu as des restrictions de déplacement au sein même de ta province ou avec les provinces alentours. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, tu peux partir faire un volontariat ailleurs. D'ailleurs, moi, je vois des photos. Hein, j'ai un copain italien qui est en PVT dans la région de Vancouver. Et voilà, il n'arrête pas de poster des photos avec des lacs et tout. Donc, lui, il se déplace. Hein. Il y a vraiment des endroits où ce n'est pas du tout problématique. Aujourd'hui, au Canada, c'est plutôt le Québec et aussi l'Ontario qui sont touchés. Donc, c'est sans doute là qu'il y aurait le plus de réglementation. Mais c'est à vérifier quand même pour être sûr que tu as le droit de te déplacer. Ensuite, bonsoir. Concernant le prix à payer sur les sites de volontariat Workaway Helpix, ce paiement donne le droit et l'accès aux autres pour les contacter. Ce paiement donne accès à d'autres avantages. Alors, pas vraiment. En fait, ça te permet de les contacter, de regarder les commentaires laissés par les précédents volontaires.
Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Non, c'est à peu près tout en fait. C'est simplement, tu as l'opportunité de contacter tous les autres qui sont sur la plateforme. Je ne sais plus si c'est Woofing ou Help Exchange, mais il y en a un des deux. Quand tu ne payes pas la redevance, disons, tu peux contacter les autres qui sont premium, c'est-à-dire eux, les autres qui ont payé. Voilà. Donc en fait, là, toi, quand tu payes, tu peux contacter tout le monde. C'est pas filtré en fait. Mais je dirais que tu n'as pas accès à autre chose. Non, c'est tout. À ma connaissance. Hein. Alors, bonjour à tous. Pour faire un volontariat en Nouvelle-Zélande, faut-il un CV ou la candidature peut-elle se faire directement via email, par exemple? Alors, c'est une bonne question. Quand moi j'ai fait mon volontariat, c'est déjà des gens, des amis à moi qui étaient déjà sur place, donc j'ai pas eu à envoyer de candidature. Mais il me semble que non, il n'y a pas vraiment besoin de ça. Sauf peut-être dans le cas de Mo qui a témoigné dans la randonnée à cheval, je pense que ça peut être pertinent, soit d'envoyer un CV, soit d'envoyer une sorte de lettre de motivation dans l'email pour expliquer quand même qu'elle s'y connaît en cheval et qu'elle va pas faire n'importe quoi, avoir peur, etc. Voilà, c'est sûr que si le volontariat requiert une compétence, ça peut être intéressant. Par exemple, si c'est quelque chose qui est dans la rénovation et il se trouve que tu es plombier ou que tu fais de l'enduit, et sans doute qu'ils vont être trop contents de voir que tu sais faire ça. Donc, à défaut d'un CV, peut-être un peu trop protocolaire, je ne sais pas si on dit ça, peut-être quand même faire un petit email avec ce que tu sais faire, savoir-être, dire que tu es sympa, que tu parles bien la langue du pays, ou au contraire, je ne parle pas très bien, mais je suis hyper sympa et motivée, et puis lister ce que tu sais faire. Je pense que ça se veut quand même un petit peu plus informel qu'une candidature pour du travail. Ensuite, on a une question. Alors, je n'ai pas bien suivi l'explication. Est-ce que c'est possible ou légal de faire du volontariat sans PVT? Alors, ce que j'expliquais, c'est qu'en PVT, on peut faire du volontariat bénévolat. Hors PVT, ça dépend des pays. Parce que beaucoup de pays considèrent que faire du bénévolat ou du volontariat, c'est du travail. Donc, Nouvelle-Zélande, c'est catégoriquement interdit. Et le Canada et l'Australie, c'est sous condition. Mais pour être honnête avec vous, si vous partez faire du bénévolat ou du volontariat en répondant à leurs conditions en tant que touriste, c'est-à-dire ce n'est pas l'objectif principal de votre séjour, ce n'est pas un travail qui aurait pu être fait par un local en étant rémunéré, ou encore c'est des petites structures qui sont pas, qui n'ont pas un gros business par exemple, si vous dites à un agent d'immigration que vous partez en touriste pour faire du bénévolat ou du volontariat, si lui ne connaît pas ces petites règles-là et se dit mais attends c'est du travail ce truc. Il vous fout dehors. Donc, en tant que touriste, c'est toujours un petit peu délicat. Et encore une fois, là, j'ai cité les trois pays anglophones, mais à vous de regarder dans le pays qui vous intéresse, quelles sont les réglementations. Et de façon générale, je vous conseille d'être assez discret. Surtout si vous faites 3 mois de vacances et que vous faites un volontariat d'une semaine, quel est l'objectif de votre séjour, monsieur ou madame? Tourisme. Voilà. Point trop d'infos. Mensonge par omission. Parce que là, vraiment, une semaine sur 3 mois. Vous répondez aux conditions en tout cas en Australie et au Canada, vous répondez aux critères pour faire du bénévolat ou du volontariat légalement. Par contre, si vous allez en Nouvelle-Zélande, sachez que c'est totalement illégal. Donc voilà, à vous de fouiller selon le pays qui vous intéresse. Alors, quelqu'un nous demande si le PVT est accessible aux Malgaches. Alors non, malheureusement, Madagascar n'a pas signé d'accord de PVT dans le monde. Il y a environ 60 pays qui ont signé des accords. Tu peux les retrouver si tu vas sur pvtis.net tout en bas. On a un bouton qui s'appelle le PVT dans le monde. Enfin, je te dis ça à toi, mais en l'occurrence, je te le dis, si tu viens de Madagascar, tu n'as pas de PVT. Il faut en fait avoir un passeport issu d'un pays qui a un accord de PVT. Par exemple, quelqu'un qui vivrait en France avec une carte de séjour, mais qui vient d'un pays qui n'a pas signé d'accord de PVT, le fait de vivre en France ne lui donnera pas accès au PVT. Voilà, donc il faut bien regarder cette page, le PVT dans le monde, pour plus d'informations. Alors, on a une autre question. Alors, c'est un petit peu hors sujet, mais le temps de voir si Annelise me prévoit une autre question dans le thème du soir, je vais y répondre. Bonjour, j'aimerais réaliser un PVT Canada à partir de septembre 2021, mais je ne comprends pas bien quand s'effectuent les rondes de tirage au sort. Alors, la saison 2020, elle va être clôturée jeudi. On ne sait pas du tout quand la saison 2021 va commencer. Est-ce que ça va être en décembre? Est-ce que ça va être en janvier? Est-ce que ça va être en août 2021? Je n'en sais rien, personne ne le sait. En tout cas, le jour où elle va ouvrir, il y aura des tirages au sort, très certainement comme d'habitude, toutes les semaines. Et dans ce cas-là, tu peux tout à fait avoir la chance d'être tiré au sort dès le premier tirage au sort, comme dans 5 ans.
en essayant tous les ans de t'inscrire comme candidat. C'est vraiment une loterie, donc tu peux pas être sûr que tu partiras en PVT en septembre 2021. Il va falloir que la saison ouvre. Donc tiens-toi bien au courant. On a mis en place une alerte SMS gratuite sur pvtis.net. On va partager l'information quand ce sera le cas sur tous nos réseaux. Ensuite, tu devras t'inscrire, bien surveiller ton compte régulièrement, mais surtout espérer être tiré au sort. C'est clairement le plus dur. Voilà pour le petit hors-sujet. Ensuite, actuellement en France, j'ai un PVT activé, mais pas de logement ou d'offre d'emploi seulement. Ah oui, un PVT Canada, d'accord. Mais pas de logement ou d'offre d'emploi, j'ai seulement mon as et mon compte en banque. Me conseillez-vous de tenter de repartir au Canada avec un volontariat ou non? Est-ce que c'est trop risqué? Alors, avoir un PVT activé aujourd'hui, ça permet pas nécessairement de retourner au Canada. Le Canada accepte qu'on revienne au Canada si on a un PVT activé et qu'on est vraiment installé sur place. Comme tu dis, le NAS, le compte en banque, un logement, éventuellement un travail, ça c'était pas obligatoire, mais vraiment montrer qu'on est vraiment installé quoi, depuis plusieurs mois. Si tu es juste allé l'activer et que tu es revenu depuis 6 ou 8 mois, pour le coup, ils risquent de pas considérer que tu es installé. Après, comme je le disais tout à l'heure, il y en a qui ont réussi à partir avec un volontariat là. Donc peut-être que toi, PVT activé avec NAS et compte en banque plus un volontariat, ça peut passer. En fait, la vraie question pour les gens qui nous écoutent ce soir et qui veulent partir en PVT avec un volontariat, c'est êtes-vous prêt à dépenser, je ne sais pas combien sont les billets aujourd'hui. Si vous allez à Montréal, peut-être 300, 400, je n'ai pas vérifié. Est-ce que vous êtes prêt à peut-être perdre 300 ou 400 euros pour tenter de partir? Si oui, faites-le. Dans ce cas-là, vous avez une lettre d'embauche de votre employeur en volontariat qui précise tout ce qu'il va vous demander de faire, etc. Il n'y aura pas de rémunération, c'est normal. Et également, une attestation qui dit bien que son entreprise tourne toujours et qu'il va vraiment vous accueillir et que vous pourrez commencer votre volontariat à la fin de votre quatorzaine obligatoire. Mais si ça ne passe pas, ça peut ne pas passer quoi. Je voudrais pas que vous nous en vouliez parce qu'on vous a dit ça. Nous, en fait, on a les informations officielles, pardon, qu'on vous relaie très régulièrement. Et sur PVTiste et nos réseaux sociaux, on a des témoignages. Avec ces témoignages, on fait des sortes de généralités quand il y en a plusieurs. Mais là, vous voyez, on n'en a eu que quelques-uns. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est garanti. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a une autre question? Non, ça c'était bon. Je pense qu'on arrive à la fin des questions. Donc, simplement, je voudrais vous préciser qu'on a pas mal d'événements, hein. On multiplie les visios pendant les prochaines semaines, notamment demain avec le Bureau du Québec à 19h sur notre page Facebook pvtis.net Canada. On va faire une présentation des journées Québec, des journées de recrutement qui vont avoir lieu prochainement et qui vous permettront peut-être de décrocher un job et donc de partir avec un job. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir valider votre PVT si vous en avez déjà obtenu un. Jeudi, on va parler plutôt le matin pour le coup, parce que ça va intéresser aussi les gens qui sont en Australie. On va parler des techniques pour rester en Australie après un PVT, donc le deuxième, le troisième PVT, mais également d'autres options. Et prochainement, on a aussi d'autres thématiques qui vont arriver. On va vous mettre un lien en commentaire de la vidéo ce soir vers notre article événement PVTIS 2020 qui vous liste tous ces événements qui pourraient vous intéresser. Si jamais vous avez manqué des choses, vous verrez dans cet article, on a mis les replays de certaines de nos visios qui sont toujours accessibles, notamment quel budget pour un PVT, partir seul en PVT ou partir en PVT sans parler la langue du pays. Donc voilà, vous pouvez aller les consulter si vous les avez manqués. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, j'en vois pas pour le moment. Donc je vous remercie vraiment pour vos questions, justement. C'est toujours plus sympa pour moi d'avoir un peu d'interaction avec vous plutôt que de parler à mon ordinateur. Donc merci de nous avoir suivis. Merci pour vos questions. J'espère que ça vous a été utile. Et je vous dis à très vite, en l'occurrence à demain, pour une prochaine visio. Bonne soirée à tous.